Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme. Non. Et nous, nous sommes nous, merci Dieu, moi et côté pour nous capables ensemble avec nous. Et je dis à ce lundi, nous vivons et lundi 22 mai. Moi, j'espère que nous avons passé un excellent week-end, nous avons bien dormi. En bas protection grand maître là Zancette à toute nation Guinée et toute équipe là à la ronde Badin nous déjà motivé et mobilisé pour nous partager avec vous toute nouvelle cap dominer actualité à bouc chargé pas campé nous chargé pour les bas nous gagnons pour faire un coup de pied dans le département Nipeya nous pour aller dans la localité Kounouk et 4e section et dans Nip côté gagnon famille qui totalement détruite. Tout le monde dans la famille, une famille de 6 personnes. Tous les 6 personnes ont mouru empoisonnés. Et gagné maman, elle était enceinte, elle mourit tout enceinte. Côté gagné boy. Boy lui-même qui s'est frère, il y a une victime qui relait Aslin. Aslin, c'est lui-même qui marie, dame qui mourit et tout enceinte. Nous parlons de tout détail. Poison ça, c'est un monde dans la famille même. Yon moun nan famille, yon nan frè yo, c'est lui même qui prépare poison, il fait avec trois bagages, qui c'est trois pas, acide batterie avec glo lan men, il prépare et poison et puis là il mettait dans yon doum glo côté moun yo servi la dedans et c'est pendant moun yo al prend glo pour yo faire manger, yo faire manger et puis c'est ça qui vini ensemble avec la mort et tout bagage ça pour yon petit morceau tay, yon la kou, y a goumen pour lui et puis yon nan frè yo en poisonner une famille tout entière. N'a fini et pour nous capable ba ou plus détails et nous pour aller et dans ville cap haïtien côté et citoyen ça qui bail tête li dit fait ces petit yon pasteur n'a fini pour nous capable ba ou plus détails et puis tout et gagner petite dame et dans Canaran côté gagner yon bandit chef dans Canaran et lui même qui était ensemble avec petite dame vidéo que nous avons et qui a fait la navette sur tout réseau social semblé dame natal couché avec un soldat yo yo prend yo nan bandi al tire revanche pour petite dame nan yo maspine yo craser dame nan babaton ça moi yo m'gen vidéo m'gen trois vidéos qui vient pour la garder m'pa gen kèp pour moi comment bandi yo a bat petite dame nan qui c'est madame chef qui c'est madame générale là à cause d'amna al coucher ensemble avec yon nan soldat yo yo pas fait soldat rien non nous pas connait comme nous pas yo présente nos vidéos ça yo fait soldat yo crase ti dame nan ba coup de bâton ba quoi dame ça a sauvé yo traîner la terre yo frapper dans raquette yo balle coup de pied calotte coup de bâton et moi quoi dame ça li pas ca sauvé parce que jean moi yo battre à force 140 dans et n'a venir pour nous capable ba ou détail de ça nous gagne vidéo nous capable partager ensemble avec vous en privé mais entre temps parce que nous parlons gagne pile détail nous pas le porter pour là restez sur vidéo jusqu'à ce que nous fini nous gagne pour faire un coup de pied dans ville au cap et pour nous faire un coup de pied nous gagne pour aller dans ville au cap pour nous gagne pour retourner gagne deux bandits que la police est stoppée la police fait obre batster la police saisit un zam ces zam ça que n'a gardé et sous écran qui c'est un M4 nous est bandio semble bandi ça il un gros point sur lui nous est mouchoir gain deux mouchoirs rouges qui marient dans fusia gain mouchoir jaune deux mouchoirs bleus hein mais n'ai oublié que les boko a ba au point boko a toujours dit mba au point mais pas al dormir dans cafou n'ai pensé parce que au gain prend pas prend balle prend ceci prend cela yo pense capable faire toute bagaille depuis c'est mal ou faire depuis c'est sang va faire couler garder tôt ou tard d'ailleurs tout on connaît la vie bandit par l'homme. Tôt ou tard, on va tomber quand même. Mais c'est deux bandits, la police arrivée stoppée. Et puis la police saisit un fusil M4. Et je n'ai pas regardé, c'est une opération qui était déroulée hier dimanche, qui était 21 mai, dans la zone Fojac, Malik, Dieg, Mayotte, ensemble avec Madiou. C'est là la police te mené opération. Gen patrouille la police qui cap sillonné zone Fojac et pour arriver juste Guajan. C'est commissariat Pétionville là avec commissariat Keskov qui mettait ensemble pour mener une série de opérations sa yo et mais cap poursuivre et mais pour et continuer dénicher bandi cap bay et problème. Et bien n'a venir ensemble avec information individu que n'a regardé sur écran là. Nous sommes ensemble avec une série de innocents. Eh bien, ils ont joué une arrestation. Eh bien, nous avons un point. Côté Nexa, on a rançonné un conducteur
qui t'a remoqué yon voiture, et bien présumé gagné yon présumé bandit qui mortellement blessé, ça veut dire l'aller la police et fait le bruit de l'eau bouche li l'aller li pas jamais fait saleté qu'on a fait encore. C'est dans échange de tir ensemble avec la police samedi qui te 20 mai et dans rue 0 L dans Cap Haïtien. Bandi ça qui tombé à c'est même Genève en famille qui a dirigé par Barbecue qui a opéré dans Port-au-Prince. Et ben il était porté un physique calibre 12, c'est 12 que n'a gardé là avec toute munition, toute cartouche li. Hein, il sorti juste Port-au-Prince, l'équipe bout juste au Cap pour la Sima et la terre continuer bailler et problème. Et ben la police arrivée et stopper. Gen l'autre nèg encore que la police arrêté, hein, gagnon ontal et Waldeck Orphelus, et la police arrêté pour tentative assassinat, vol et vol avec plusieurs autres infractions la police reproché. Parallèlement et gagné dans la nuit, eh bien la police qui était informée avec présence individu armé et mais qui t'a braqué moun et sur route nationale numéro 1 notamment dans rivière Salée. Et bien la police rapidement intervenue et bien confisqué motocyclette et que n'a gardé là, hein, côté malfrayo c'est dans et sur motocyclette que t'a sillonné. Malheureusement et bien il prend la fuite et en pile coup de zame et qui tape et tire. N'a venir ensemble avec information ça mesdames et messieurs sous et d'abord ensemble avec détails sur les familles qui détruit dans le département Nipeya et c'est propre on mob dans famille même qui détruit famille ça. Et puis tout de suite d'abord ensemble avec détails sur ça qui passait dans ville au Cap Haïtien sous citoyen ça et qui bail tête les diffait et dans vertière. Et ben n'a venir pour capable plus détails en suivre avec intérêt. Toujours dans le département Nipeya, dans une localité qui relève dans Kounouk, 4e section de Sirvienne dans Nip, yon famille totalement détruite. Côté 6 moun mouri dans un kay, n'a souligné, maman mouri tout enceinte. Cause là, c'est un citoyen qui relève boy, frère yon nan victime, qui relève Anselin, qui se mari d'amna qui mouri tout enceinte. Depuis quelques années, monsieur était toujours dans la discussion avec frère là, qui se Anselin pour la quoi que boy te vle prendre pour compte li. Après la police a été filmé, mais sous présumé coupable, qui c'est boy avec toute madame li, monsieur a déclaré clair court clair rose c'est un poison les composé et les mêmes avec madame li qui fait à trois pas de l'eau la mer avec acide batterie. Monsieur levé à minuit l'almette poison en doum de l'eau l'applique à victime yo. Malheureusement samedi 20 mai à moun yo levé yo prend de l'eau dans doum nan yo fait manger ça pas de printemps pour Marcelin avec une petite garce yo te senti un gros vent fait mal qui t'apprend mourir quelques minutes après les madame qui enceinte là avec des autres timnyo attaqué yo couri l'hôpital Sainte-Thérèse avec yo bien bonnet ayé dimanche là nouvelle la tomber yo tout mouri. Selon information la police t'a supposé monter à présumé coupable yo matin pour aller chercher reste poison violence n'a pas souligné présumé coupable te gain trois petites avant yo te fait crime là yo getan exilé tous les trois timoun yo avant yo poser action si là n'a rappelé action ça arrivé dans Kounouk 4e section Tirivienne dans département Nip yo famille totalement détruite côté 6 moun mouri dans un kay n'a souligné maman mouri tout enceinte c'est à cause conflit qui la cause 6 moun sa mouri dans une seule famille côté empoisonné yon l'eau qu'on fait manger. Eh ben à cause terre yo rivé mouri la police a posé la patte sous présumé coupable qui c'est yon mari avec toute yon madame et puis yo te geta exilé tous les trois timoun yo pour capable poser action si là toujours dans département ni payant gros l'appli qui tombé la cause en pile nous t'a venu nous te pour nous aller dans au cap avec Guino du Vianney pour capable nous plus détail ça j'ai noté de lance sous vidéo ça qui t'est venu viral sur réseaux sociaux yo côté tout monde t'est capable constater yon jeune garçon mettait non du feu et mais il a gué col là-dedans moun te pensé c'était mystique mais non c'est pas mystique Guino du Vianney avec lui même qui s'est vu avec nous n'est capable ici pour nous plus détails sur ça. Bonjour Guino du Vianney. Bonjour tout le monde, auditeur Radio Mika qui bosse partout à travers le monde entier. Et bien ça a fait actualité parce que je nouvelle et hier après-midi, vers 5h après-midi, mon jeune garçon, 30 l'année, Carl Lutson Azor, un jeune universitaire
Excusez, mettez, à bas d'ici, qui est sous place Vertia, de face monument Vertia, face monument, dans le cadre d'un pied monument Vertia, et lui, PNG, était initié. Et avant-seulement, selon témoin, avant-seulement, il était séparé l'argent, il était séparé l'argent par le monument. Et sous place là, alors l'argent était dans la poche, il était séparé, et après la suite, il était gagné un drapeau, il était accompagné d'un drapeau haïtien, il était là, il était sur lui, il était tête l'initié, et ce garçon ça, c'est petit pasteur Rénol Azor, qui c'est Boulébé, la commune Lébé, qui c'est pasteur l'église évangélique d'Haïti de Lébé. Même qui était confirmé et nouvelle fatou avec nous, malgré l'impact en mesure pour mettre plus de détails, elle était fait courir et ça était tellement choqué que famille là, et seulement capable de dire non, oui, c'est une petite là, mais Gachène Gasson, ça c'est la troisième petite ligne qui fait. Elle dit la ville, non, c'est constance aussi là. Eh bien, elle peut dire c'est après juste là, le juge de paix et section sud de Cap-Haïtien, le juge dit la paix, amen, et c'est constant, et bien, voilà, c'est une mettre au courant. Mais c'est un crime, un pile monde critiqué, selon un pile monde, un pile commentaire, donc on est, c'est avoir l'état civil, la police, ou bien l'autorité, on est assez posé, poser la patte, parce qu'on a pile monde. Présent dans un espace-là. Imaginez au 5h de l'après-midi, nous sous place Vertière, dans l'ensemble, on a expliqué à tout le monde, besoin de ça, on a appelé, ça a été dit à tout le monde qui était sous place-là. Donc, même des gens qui sont venus, mais les gens qui ont été juste après pour un grand plaisir, qui ont été allés téléphoner, faire photo, faire vidéo, et c'est ça qui fait que vous avez une vidéo, ça, avoir une vidéo, un aspect. À tourner sur toutes les zones dans un moment n'a pas parlé là. Et pour nous continuer avec l'information, bien là, c'est une cérémonie, il y a des certificats pour nous qui ont participé pour réussir à